Bonjour mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on va écouter et apprendre un nouveau poème intitulé Le coucou. Et on commence par voir l'illustration. Regardez bien les enfants et dites-moi que voyez-vous? Ce sont des fleurs. Et vous savez comment s'appellent ces fleurs? Elles s'appellent les coucous. C'est une fleur qui s'appelle le coucou. Et le coucou, c'est une fleur sauvage, jaune, qu'on appelle aussi primevère. Et elle fleurit au printemps. Et maintenant, les enfants, ouvrez bien les oreilles et écoutez attentivement. Le coucou. Coucou des bois et des jardins, j'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin, je viendrai te cueillir demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille, de bon matin. Robert Desnos. Coucou des bois et des jardins, j'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin, je viendrai te cueillir demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. De bon matin. Très bien. Coucou des bois et des jardins, j'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Coucou fleuri, coucou malin, je viendrai te cueillir demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille, de bon matin. Alors les enfants, celui qui écrit un poème, on l'appelle le poète. On l'appelle le poète. Et le poète qui a écrit ce poème s'appelle Robert Desnos. Les enfants, alors écoutez bien. Vous savez que chaque ligne dans un poème s'appelle un vers. Ça s'appelle un vers. Écoutez, je vais lire le premier vers. Coucou des bois et des jardins. Alors, c'est le premier vers. Maintenant, je vais lire le deuxième vers. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. C'est le deuxième vers. Revenons maintenant à notre premier vers. Coucou des bois et des jardins veut dire que les coucous se trouvent dans les bois et dans les jardins. Et les bois veut dire la forêt. Alors, coucou des bois et des jardins. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille. Ça veut dire que le poète a le cœur joyeux et il a le cœur tranquille. Il est content et il est heureux et il se sent bien. Coucou fleuri, coucou malin. Ça veut dire que les coucous fleurissent que le matin et ils sont malins. Je viendrai te cueillir demain. Ça veut dire que le poète viendra cueillir les coucous demain. J'ai le cœur joyeux, j'ai le cœur tranquille, de bon matin. Ça veut dire que le poète sera très content, très heureux de venir le matin, très tôt, pour cueillir les coucous qui seront bien fleuris et bien ouvertes. Alors les enfants, notre séance est terminée. Vous pouvez réécouter le poème plusieurs fois afin de l'apprendre. Je vous dis au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.